Salut à tous, je suis Cindy Fernandez, photographe spécialisée en grossesse, nouveau-né et enfant depuis plus de 3 ans. Mon studio se trouve dans le sud de la France, dans un petit village en Provence, entre Aix-en-Provence et Marseille. Cela fait un peu plus d'un an que j'ai commencé à proposer des portraits fine art avec des enfants de 2 à 16 ans. Je voulais vraiment trouver le moyen de continuer à suivre mes clients au-delà de mes séances classiques qui s'arrêtent au premier anniversaire. Alors, qu'est-ce que le portrait fine art? Alors, ce sont des portraits dans le style painterly, à mi-chemin entre la peinture et la photographie. Je m'inspire donc des tableaux des grands maîtres de la peinture. Pour cela, le portrait, il est réfléchi bien en amont de la séance, un peu comme une commande d'une peinture. Les portraits fine art sont faits sur mesure. Donc, je vais favoriser un fond sombre, des couleurs chaudes, des textures spécifiques et surtout une lumière contrastée à l'image des tableaux de Rembrandt. Donc, dans mes recherches, mes inspirations, j'ai eu un coup de cœur pour les collerettes. Je trouve qu'elles donnent une dimension au portrait, elles nous transportent rapidement dans une autre époque. Précédemment, en regardant divers portraits de la reine Elisabeth, j'ai voulu créer une collerette assez imposante à partir de pages d'un livre, d'un vieux livre que j'ai associé avec une modèle rousse. Toujours en m'inspirant de la reine Elisabeth, il fallait aussi réaliser une coiffure assez volumineuse pour équilibrer le rendu de la photo. Pour une question d'équilibre, j'ai habillé mon modèle avec une robe bleue, qui est la couleur complémentaire de l'orange pour pouvoir faire ressortir les cheveux roux. Donc, la créativité et le do it yourself ont une part importante dans mon travail. C'est un peu ma signature. Donc, j'aime réaliser mes accessoires et les mettre en situation. Je pense sincèrement que ça nous permet de nous démarquer. Et surtout, c'est deux fois plus gratifiant pour un photographe de maîtriser le rendu de sa photo de A à Z. Dans cette vidéo, je vais réaliser une collerette avec des filtres à café. Donc j'ai retrouvé une vieille boîte au fond de mon placard. Et vraiment pour aller jusqu'au bout de cette idée, on va teinter les filtres avec du café avant de les monter les uns avec les autres. Donc j'ai imaginé ce portrait dans les tons café, marron. Pour le fond, je vais utiliser un backdrop fait maison avec un vieux drap et de la teinture machine. Je vais mettre en avant le regard de l'enfant et la collerette, donc ce sera un portrait serré avec une coiffure sobre et juste un tissu marron pour la tenue. Donc cette vidéo sera en 3 parties pour qu'elle soit complète. Donc la partie 1, réaliser la collerette facile. Partie 2, shooting de la collerette café. Et partie 3, la retouche de la photo de la jeune fille au café. Alors on se retrouve pour réaliser la collerette café. Alors je vais avoir besoin donc de filtres à café, tout simple, d'un ruban simple. Donc là c'est un ruban en satin, ça peut être de la corde aussi, un bout de tissu très long, une agrafeuse, une paire de ciseaux, une trouilloteuse, du café. Alors on va faire couler du café. Ce que je vais faire, avant de faire tremper mes filtres dans le café, je vais donc plier le filtre à la base. Je vais donner un coup d'agrafe ici et je vais faire un trou au milieu parce qu'en fait je vais donc les monter comme ceci. Donc je vais pas les monter comme ça, je vais les monter comme ça. Donc il faut bien que le trou soit fait à la base pour pas qu'il y ait de problème au niveau du montage. Donc je fais un trou bien à la base. Voilà, je répète l'opération, je vais faire environ une soixantaine de filtres.
Alors, j'ai terminé donc le montage de mes filtres. Donc, je les ai agrafés, je les ai troués, j'ai fait couler mon café. Donc là, on va passer à l'étape donc du trempage des filtres. Alors, hop, j'en prends quelques-uns. Alors je laisse tremper, juste comme ça fait un peu papier buvard, je veux qu'il y ait une sorte de dégradé en fait. Donc je laisse un peu tremper, comme ça, et je vais le laisser sécher. Je ne veux pas que ce soit uniforme. On se retrouve après, donc on a fait sécher nos filtres à café. Donc là, on va les monter. Donc comme je vous avais dit, donc je voudrais les monter, alors pas comme ça, pour donner un peu plus de volume. En fait, on va les monter comme ceci. Voilà, comme ça. Donc je vais commencer. Dans ce que j'ai fait, j'ai pris mon petit ruban en satin, j'ai juste avec un briquet, je l'ai brûlé. C'est plus facile comme ça, sinon il s'effiloche rapidement. Et je vais devoir le couper à chaque fois. Donc là, je le mets dans l'autre sens. Et je vais continuer jusqu'à la fin. Alors là, les filtres à café, donc j'ai voulu faire rapide, donc je les ai pas fait sécher au soleil naturellement. J'ai pris un sèche-cheveux tout simplement, je les ai fait sécher avec le recul. J'aurais peut-être pas dû les agrafer en amont. En fait, je pense que le plus simple, c'est de les faire tremper, les faire sécher à plat, et ensuite les monter comme j'ai fait, les agrafer et les trouer. Donc voilà, c'était juste la petite histoire. Alors, le café, je trouve c'est super joli le rendu, ça donne un effet ancien, un effet vieux papier. Mais je pense aussi que vous pouvez vous amuser à colorer l'eau avec du colorant alimentaire. Vous pouvez faire une collerette du coup rouge, bleu, verte, selon vos envies, en fonction de vos besoins en photo. Donc ça y est, ma collerette est terminée. Donc je ne suis pas allée jusqu'à l'arrière, j'ai pas fini, mais ça sert à rien en fait. Hein, si sur la photo on ne verra pas qu'à l'arrière ce n'est pas terminé. Je suis super contente. Je trouve que le rendu il est trop beau. Il y a différentes couleurs, des textures. J'ai trop hâte de vous montrer le shooting dans la prochaine vidéo. À très vite !